Pendant des siècles, les chefs des tribus ont raconté des histoires à enseigner aux plus jeunes. Quand j'étais enfant, j'avais un mentor, l'ancien de notre village, Ours Gris. Il m'a appris à chasser, à combattre, et m'a enseigné la magie chamanique. Il m'a enseigné ses talents à travers des histoires sur mon père, jadis célèbre guerrier. Maintenant que je suis chef de ma propre tribu, il est de ma responsabilité de transmettre ce savoir à un jeune guerrier prometteur du nom de Courage. Courage, viens par là pour retourner au village.
Ah, jeune Courage, tu arrives juste à temps. Viens nous rejoindre. Oh, chouette! J'adore les histoires! Maintenant, jeunes gens, je vais vous raconter une histoire. L'histoire concernant la façon dont j'ai pu vaincre la créature la plus effrayante que la Terre n'ait jamais connue, le diabolique Wendigo. Courage, un peu d'attention. Si tu veux devenir un grand guerrier, tu ferais bien d'écouter ce récit. Bon, d'accord. Qu'une histoire. Jeune homme, les histoires sont plus importantes que tu ne le penses. Pendant des siècles, notre peuple a raconté des histoires pour transmettre la sagesse de père en fils. En écoutant mes histoires, Courage, tu apprendras de mes expériences. Cela t'aidera si jamais il t'arrive de devoir affronter des épreuves semblables. D'accord, l'ancien. Je vais écouter. D'accord, Courage. Je vais te raconter cette histoire. Maintenant, sois attentif. Thank you.
Cours, Fleur des Prés, cours! Tu as sauvé ton ami. C'était courageux de ta part, brave. Mais tu n'es qu'au début d'un long chemin. Quel chemin, ours gris? Je ne vois pas de... Le chemin du guerrier. Je suis prêt. Mais tu n'es pas encore un guerrier. Ours gris, mais je suis prêt. Tu as encore besoin d'expérience pour t'attaquer à un ours brave. Avec Fleur des Prés, nous avons caché des figurines anciennes dans la clairière. Chaque figurine te donne un nouveau pouvoir. Quand tu les auras toutes trouvées, tu pourras affronter de nouveau l'ours. Prends cette pierre. Elle nous permettra de communiquer à distance. Souviens-toi, si tu as besoin d'aide, utilise la pierre. Maintenant, trouve les figurines. Survivre tout seul dans la forêt profonde. Tu dois utiliser des pierres noires pour allumer des feux, comme dans la grotte.
une pierre noire. Bon, d'accord, brave. Je te donne un indice. La première figurine est dans une grotte sur l'ancien chemin de la montagne. Tu peux détruire la porte bloquant le passage avec un morceau de bois enflammé. Yeah.
Tu dois apprendre à être un chaman pour accomplir ton destin. Un chaman peut voir l'énergie que laissent les esprits morts. Brave, ton premier pouvoir sera celui de la vue chamanique. Je vois toute la vallée. Thank you.
Moi le plus fort. D'un bâton pour pêcher.
entre dans l'eau et essaye d'harponner un poisson. Prends le poisson brillant et gagne une figurine. Ouais, un poisson volant. Une figurine. Plonger. Traverse la rivière à la nage et plonge sous les rondins. Va voir ce qu'il y a sur l'autre rive. Des écureuils. Il faut faire vite. Thank you.
côté d'écureuil. Maintenant, tu peux grimper sur le lierre, comme l'écureuil. Tu as trouvé toutes les figurines et tu peux affronter l'ours. Escalade la chute d'eau jusqu'à la grotte de l'ours et fais attention. Bon, c'est parti. Thank you.
Tomahawk appartenait autrefois à Esprit Danseur, le chaman le plus puissant de la Grande Vallée. Apprends à te battre avec cette arme. Trois légendes d'Esprit Danseur cachées dans cette carrière t'aideront à ton service. Mais les légendes sont inscrites avec une peinture qui n'apparaît qu'avec de l'encre de Red Scarabée. Capture trois Red Scarabée pour lire les légendes. Yeah ! Scarabée, je vous saurai. Yeah !